Bonjour. Bonjour et félicitations. Merci. Donc, comment t'es venue l'idée de te présenter à Miss Dépêche? Quelles étaient tes motivations? Alors, mes motivations à la base, c'était parti de mes amis. Ils m'ont donné l'idée et vu qu'il n'y avait aucune obligation de s'investir, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'essaye. Donc, j'avais rien à perdre. Et donc, j'ai été. Et c'était assez décentralisant. C'était fun. Et en plus, on va dire que les lots à gagner, c'est quand même intéressant. Et donc, bah, ça m'a poussé à participer. Donc, tu vas t'empresser d'utiliser ta petite somme rondelette pour les soins de beauté. C'est ça. Alors, quelles sont tes priorités pour ces soins de beauté? Un peu de tout, coiffure, soins du visage. Et peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie, de tes études et puis aussi de tes passions? Actuellement, je vais passer en troisième année à l'école normale pour être institutrice. Et j'aimerais être institutrice plus tard dans les îles australes, principalement à Douai. Et sinon, à part ça, mes passions sont plutôt portées sur l'art. En ce moment, je pratique l'encre à dessin, que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Sinon, je faisais de la peinture à l'huile, j'ai fait de l'aquarelle, et voilà, en tout c'est ça. Sinon, par ça, passer du temps avec mes amis, ma famille, principalement. Aller à la pêche, j'aime beaucoup la pêche. Mmh. Tu attrapes du poisson? Oui. La pêche? Oui. La pêche au gros? Oui, au gros. Je préfère. Il y a plus d'action. D'accord. Voilà. Et donc, tu vises le titre de Miss Dépêche. Ce serait bien. Tu as de l'espoir? C'est ça, il y a de l'espoir. Je tiens dans les yeux, c'est normal. Ok, ben je te remercie et bon courage. Merci.